Non, mais vas-y, vas-y. Et si l'arrêt? Et si la raison? Et si la refus? Et si l'arrêt était arrêté? La refus m'a-t-il? Et si la refus? Que fût-ce nous-mêmes? Et si l'arrêt est arrêté? De l'arrêt qu'elle a pris contre les stylos crapuleux. Abominateur, merdien, éthanol mental, au tribunal. Et si le prix est de le vendre là? À quel prix sommes-nous vendables? À quelle heure? 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 À quelle heure sommes-nous vendus? Et si l'on échappe, alors que l'art même n'a pas le prix. Et si l'art n'avait pas le prix, existerait-il? Et si l'art n'avait pas de prix, existerait-il? Et si l'art n'avait pas de prix, existerait-il? Et si l'art avait un prix impayable? L'art chair fraîche, j'aime les gens qui se viandent. De même, comme toi, Sylvain. Et si l'art qui n'a pas de prix se fait content pour rien, alors même qu'il n'a pas de prix, c'est que l'art est vendu. Et s'il est vendu, non, l'artiste lui est impayable. Et si l'art n'a pas de prix, pourquoi le paye-t-on? Pourquoi le vendrait-on? Et si l'art est? Et si l'art fut? Et si l'art est vie? Et s'il arrêtait d'arrêter de fumer, de boire, de chier avec art? Ou non, fumer, boire et chier avec art. Et si le prix en était l'homme épuisé, mort, suicidé, dépression, l'homme pelé, content, neurasthénie, dépravation, paranoïa? Et s'il arrêtait? Et si l'homme avait un prix impayable, le dirait-on? Pauvre-t-on. Si l'homme n'a pas de prix, je vais t'abîmer le portrait. Je vais tâcher de me mettre à la tâche. Et de quelle paix lui-même paie de sa tête, sa dette? C'est que l'homme est vendu. Et s'il est vendu, alors l'art c'est lui. L'art c'est l'impayable. Et si l'art était la crise de l'homme? Et si la crise de l'homme était art? N'était autre qu'une crise de l'art, payable, vendu, marchandé, pourvu de vie, mangeable, imposable. Ma mère depuis son plus jeune âge
déguster presque tous les fromages. Du roquefort, du brie, du camembert. Mais celui qu'elle préfère, c'est pas le bleu d'Auvergne. Non, c'est pas le pipeau crème. Non, c'est la fourme d'Ambert. C'est la fourme d'Ambert. C'est la fourme d'Ambert. C'est la fourme d'Ambert. Au temps de la bataille de Gergovie, les Arvernes mangeaient déjà, paraît-il, de la fourme d'Ambert. Ma mère est allée chez le docteur. Il lui a dit, fini pour toi les produits laitiers. Plus de fourme d'Ambert, plus de fourme d'Ambert, plus de fourme d'Ambert, plus de fourme d'Ambert. Elle mange des yaourts au soja, du fromage de chèvre et de brebis. Afin de perdurer la tradition, je mange encore à tous les repas de la fourme d'Ambert, de la fourme d'Ambert, de la fourme d'Ambert, de la fourme thank you.
Thank you.
des bonnes lourdes bien fermes, à faire pâlir dans les dix Judas sous la douche, mateur, bien écorné. On n'a pas le choix de s'en prendre une bien bonne, mais une bien cuite à petit feu, petit four à crème migratoire, pour bien froisser l'hiver, à frissonner au coin d'une épaule. Mais le temps court trop vite, à courir toujours après la transhumance. Il nous dépasse quand on y pense, on le rejoint jamais. Alors on frissonne comme... tempo, désarticuler les gammes, égrener des arpèges sur un coin de bois, de lit, de haut en bas, réécrire sa post-fesse, se la retourner direct en pleine gueule, l'accès au miroir se tente sur les autres, histoire d'y voir plus clair, on clarifie, on saupoudre, on assaisonne les zones, quand on a tout loupé, on ne risque plus rien de perdre, même si c'est une avalanche au coin de l'œil dégouliné sous orbite spéciale dessous la paire. Dessous la paire. Dessous la paire. Une merde qui flanche à deux balles pour crever d'en rire, à s'en mettre une belle en tête, alors l'hôpital n'est pas loin, c'est lui qui vient à toi. Le cerveau raccourci se fait des cheveux blancs sur toute la ligne. Des emplettes à poils de Noël sur pile pâques à ligne de l'obsolescence programmée à faire pâlir d'horreur les ratiboisés de la cervelle, les enrubés de l'esclavage moderne sur la faillite du fond d'éponge laminé, bien mal aimé, bien sec, ne pas dire rêche en toute sobriété salubre, les dégoûtés de la gouttière entartrée pour qu'il pleuvoir, c'est comme la nuit au fond des âges, c'est comme la nuit au fond des âges. Ça ne se répare pas, ça s'oublie. L'EDF ne passe plus par ici pour y remédier parce que c'est l'ampoule vitreuse qui a cassé ses filaments, qui se lamente. Alors on sait plus où la mettre, on sait plus où le mettre au carré, l'afficher au cordeau, histoire de plus y toucher, l'espoir d'y mettre les doigts dans la prise de crise pour faire danser la conscience assise sur un rebut de tuiles en tout genre. Même les chants des oiseaux ne parviennent plus jusqu'aux oreilles. C'est qu'un cafouillis de barbotage à la rage dont les mots seraient l'eau qui s'évapore peu à peu de la conscience, qui serait le babillage d'un enfant né sous la contrainte, qui serait renvoyé de la vie à vie d'extinction programmée, malaxé dans un grand bouillon à la bouille de boudeur décharnée. Et il pleut, alors quelqu'un qui tombe, c'est comme un caillou. Thank you.